Il est un petit peu plus de 22h30 samedi soir à Troyes. Les joueurs de la CA regardent la fin de la rencontre Paris FC GFCA sur un téléphone portable. Et ça y est, la joie envahit le camp des Blancs et Rouges. Ils viennent d'apprendre officiellement leur maintien. Je suis content d'avoir été titulaire et d'avoir pu me maintenir avec le club. C'est une fierté parce que je suis formé au club et voilà, de jouer en pro et d'arracher un maintien à la dernière journée, c'est beau. Face à une formation troyenne qui ne joue plus rien, le seul tir dangereux de la première période est signé Zadi Seri. Sa tentative est détournée par le gardien adverse. À la pause, les hommes de Pantalon y tiennent bon avec ce 0-0. L'important, c'était d'être très rigoureux, très solide. On avait une équipe qui était appliquée dans toutes ses tâches défensives. Après, offensivement, c'est vrai que, mis à part un ou deux éclairs de la part de Caleb Zadi, on n'a pas su poser d'énormes problèmes à cette équipe, mais l'important c'était de, dans un premier temps, de ne pas encaisser de but. Au retour des vestiaires, un petit frisson va parcourir le camp ajaxien à la suite de cette action. Troyes croit ouvrir le score, mais le but sera logiquement refusé pour un hors-jeu de Salmier. Le score n'évoluera plus, les Ajaxiens décrochent un précieux point qui leur suffit pour se maintenir. On peut dire que c'était pas une grande saison. On est les premiers déçus, après c'est sûr que... Une fois qu'on s'était mis dans cette situation, l'important c'était de s'en sortir et ben on est content d'être venu prendre le point qui nous manquait et voilà, d'avoir fait. Parce qu'à un moment on s'est dit que ça allait être dur. Entre les blessés, les joueurs suspendus, c'était compliqué. Sportivement, la CA obtient le droit de disputer une 31e saison l'an prochain dans le monde professionnel. Un soulagement pour l'ensemble des ACistes en attendant le passage devant la DNCG dans les prochains jours.